Il y a alors une version d'ex-là que quand tu les croises après votre séparation, quelques 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, quand tu croises ton ex-là, surtout celui qui t'a fait ça dur, celui qui n'a pas eu les sentiments, qui t'a vendu la poule dans le sac, celui qui t'a fait souffrir, quand tu recroises celui-là, qu'il est devenu laid. Hey! D'autres sont souvent que tu te demandes que qui est celui-ci. La moto t'a seulement cogné. Il a les bosses partout, partout. Le gars est devenu hideux. Le gars est devenu merde. Tu vois comment il est. D'autres, même, tu vois le ventre. Il est devenu ventru. Gros. Avec les grosses fesses. Un homme qui a les grosses fesses, tu te demandes qui est. Le père. Quand nous nous sommes séparés, tu es seulement resté manger la levure chimique qu'on fait les beignets avec. Le ventre est gros comme ça. Les fesses sont grosses comme ça. Tu dis seulement dans ton cœur, Dieu merci. Merci Seigneur. Tu fais une petite prière que Seigneur, toi-même tu m'enlevais de là, toi-même tu savais qu'il allait devenir comme ça. Tu es fier. Antique, quand il va encore faire le genre qui veut te reconquérir, tu regardes sous celui-là comme un faux billet de 100 euros. Celui qui a dit qui a bu boira est valable sur les ex qui sont restés minces, avec une belle bonne corpulence, qui ont eu plus d'argent et qui sentent bon. Tu as bu boira que tu es devenu gros, les grosses fesses. Tu n'as même pas évolué dans la vie. Tu marques le pas sur place. D'autres, même, il va même de mal en pire. Il est même encore devenu plus noir, les sales. Et que tu as bu boira sur qui? Quand celui-là veut même faire genre, il veut te reconquérir. Tu dis, hey, on se connaît où? Tu me parles pourquoi? Tu es qui? Tu t'appelles comment? Hey, erreur de parcours. Je suis. Bon, on peut dire ça comme ça, parce que ça fait. On était ensemble parce que j'étais possédée. Au jour d'aujourd'hui, le pape m'a délivré, le pasteur m'a délivré, tous mes démons sont partis. Donc je suis lucide. Je ne peux pas être avec quelqu'un comme toi. Je ne peux plus sortir avec. Ne rêve pas. Il y a aussi les filles qui ont vécu avec les hommes ou bien qui ont jonglé les hommes. Elle a pris l'homme comme le pigeon. Elle a fait le genre qu'elle était potelée, belle et tout. Elle disait au gars que tu n'es pas mon style de gars et tout. Le gars a bossé dur. Il est devenu un monsieur. Il a une belle voiture, une belle maison. Il a déjà plus d'argent. Là, voilà qui vient alors. Elle a maigri comme ça. Elle est tellement partie de Mangala à Mangala que elle est rentrée comme ça. Quand l'homme regarde que la fille qui était potelée, si avait les fesses, tous les hommes ont raflé toutes ses fesses. Les Mangala ont raflé toutes ses fesses. Elle n'a plus de fesses. Les hommes ne sont pas comme les femmes. La femme, elle est crue, carrée. L'homme, parfois, n'est pas carré. C'est la nostalgie. Quand il vient te prendre là, tu deviens son chat. Il te mine bien. Il te prend à 1 h du matin, il te dépose à 5 h du matin. Tu dis que c'est le gars qui courait après moi. Ma chérie, c'est quand tu étais potelée et belle et quand il n'avait rien. Au jour d'aujourd'hui, il a l'argent, il voit déjà plus belle pour toi, plus jeune, plus que ceci. Ne dis pas qu'il est revenu. Il vient comme ça juste pour la nostalgie expérimentée. Quand on vous dit souvent que parfois, quand vous séparez avec les gens, séparez en bonne condition, que tu fais souffrir quelqu'un, après tu reviens, la vie t'a déjà montré le helélé. Après, tu viens dire qui a bu boira. C'est valable pour les gens qui ont l'argent. Hein. Abdos qui sentent bon. Voilà. Et qui sont allés très très loin dans la vie. Du jour au lendemain, je vais reconquérir mon ex. Quel ex?